On voit qu'ils sont bien partagés quand même, hein. Là il y a 3 et 3, là il y a 2 et 4. C'est... toute façon, faut conquérir Westminster, donc il y a un moment, faut qu'on tape quelqu'un. Le principe, ça serait de taper les Kirk d'abord. Parce que les Kirk, on n'a rien contre les Stevenson. Et il faut qu'on prenne le secteur. Donc il reste les Kirk, mais on n'a rien contre les Kirk non plus. Donc c'est un peu problématique. Niveau 7, on va prendre Illaudio, qui est pas fatigué. Et là, il y a 5 personnes. Ah oui, ils sont tous à l'étage là. Ils nous ont volé 25 balles, les Stevenson. 50. Mais oui. Après, ouais, tout le monde nous trahit plus ou moins. Vous allez me dire. Il y a un moment où on se fait trahir par la moitié du jeu, quoi. Donc, somme dérisoire, mais quand même. Ouais, mais c'est 10% d'un gilet pare-balles, quoi. On est d'accord que c'est 10% d'un gilet pare-balles, donc. Pas si dérisoire que ça, quoi. Je crois que j'ai mis Justine ici alors que j'aurais dû faire l'inverse. Où est Justine? Justine est là. Okay, give me a moment. Shake a leg. Ouais, les autres, on se ferait voir, les portes sont ouvertes et tout, les ateliers de fabrication. On va pas s'embêter à ça. Franchement, bon, passer là-haut pour après avoir des problèmes avec les flics. L'employé, voilà, qui part. T'aurais pu fermer la porte au passage, ça aurait été sympa. Mais non. Peut lui mettre le chloroforme comme demandé ou... J'ai pas compris le principe là, ce qu'elle m'a fait, Justine. Bon, on peut attaquer les Stevenson directement, hein. Moi je m'en fous, hein. De toute façon il faut qu'on prenne le secteur, donc il faut qu'on tabasse des gens. Oui, moi aussi. Alors, je sais que le chloroforme peut échouer, hein, ça arrive. C'est pas du 100%. Mais j'étais assez surpris. Moi, je sens ni l'un ni l'autre, en fait. Très sincèrement, je sens rien du tout là. Je me dis que l'un comme l'autre, de toute façon, il va falloir faire quelque chose, hein. Ouh, au centre d'attention, ça c'est bien. Bravo à Bernadette, passé niveau 6. Il va falloir faire quelque chose. À un moment, on n'aura pas le choix, hein. De toute façon. Non, ça c'est bon, c'est toujours à nous, ça c'est pas un problème. Parce que ouais, on doit conquérir Westminster. On nous a pas dit mieux, quoi. Bernadette qui est très chouette, oui, c'est vrai.
On va s'essayer. Si on allait. Le baggage, est-ce qu'on irait bien? Cuir et boisson, décor ce restaurant branché. Venez pour la nourriture, restez pour l'atmosphère. Ok. Le sceptre et trident. Brasserie victorienne avec des fauteuils en cuir et un intérieur boisé. Ok. Clean and Deal, le meilleur service de blanchisserie pour les particuliers. Assure également des services de blanchisserie. La description de celui-là. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. C'est comme l'asiatique, quoi. C'est le même principe. Enfin, c'est à glace dorée, ouais, je pense bien. Alors, de ce côté-ci, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 pour les Kirk. 1, 2, ça c'est Scotland Yard, donc nous on n'a pas besoin d'y aller. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 pour les Stevenson. Moins pour les. Y a que 13 pour les Kirk. Ouais, je crois que c'est vu, hein. Mais je sais pas ce que veut dire ce petit 3. Est-ce que c'est la difficulté? C'est possible? Ah, quand même, le meilleur service de blanchisserie pour les particuliers assure également des services de blanchisserie. Je trouve ça tellement bien. Je trouve ça tellement bien. C'est comme celui-là, quoi. Géré par des sœurs ambitieuses, elles ne demandent jamais d'où viennent les tâches et ne parlent même pas la langue. Elles proposent aussi d'autres services pendant que vous attendez. Je trouve. Enfin, le. C'est juste bien, quoi. Princemen. Traditionnellement, les meilleurs dans les soins pour hommes. Bon allez, on va commencer par le clean and deal, de toute façon. On va faire un petit tabassage en règle. Puisqu'il nous faut de toute façon de la menace, sinon on pourra pas menacer derrière. En espérant que ça passe. Parce que là, ça va être chaud. Ça va être très chaud. Ouais, une petite extorsion. C'est Kirk, K-I-R-C-K, juste comme ça. Pour le nom des gars. Oh purée, 4 personnes, on est 6, on va les tuer là. Tu dis cric à chaque fois? Alors on regardera alors, parce que c'est peut-être moi qui fais l'erreur. Est-ce qu'on a besoin d'y rentrer à 25 là? Ah oui, ça me dit quelque chose ce secteur-là. Est-ce qu'il y avait un bug qui doit être toujours présent peut-être? Ou en fait, il peut y avoir des objets qui sont là-dedans. Sauf que vous ne pouvez pas aller les récupérer. Hein. Vous ne pouvez pas accéder aux chiottes. Il y a bien une porte, mais on n'a pas accès là derrière. Donc c'est un peu gênant. Mais c'est possible que je me plante, hein, juste comme ça. On va remettre le. On regardera les noms. Façon, ça. Ah ouais, non, bah non. Peut-être pas aller chercher. La loose, quand ça bug, bah ce sont des choses qui arrivent, hein. De toute façon, on fait avec, hein.
Pop, 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 pop. On récupère quelques trucs, l'air de rien. On vole un petit peu. Je crois qu'il a, il se sent entouré, peut-être l'autre. Quoi? Mais c'est une barbare! Elle casse les vitres! Ah, cette brutasse, je suis d'accord. L'autre, il continue de crever les yeux alors qu'il est quasiment KO, le gars. Oh purée, il s'est pris les trois quarts de vie lui. Ah si, il est déjà assommé. Bon bah on se casse hein. Ouais chien. Ouais, y a quelques pains comme ça. Bon. Hein. C'est meilleur ouvrier de France quoi. Hein, en termes de pain. On est d'accord que là il y a eu du concours quoi. Ouh, un cran d'arrêt plus un gourdin, pas mal, plus 10 livres, c'est pas mal. Sans appeler les flics quoi que ce soit, moi ça me va. Que 40 en plus? Bon, ça sera vite perdu 40. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Bon, bah la blanchisserie ici est sympa, hein. Oh, on va devoir taper, c'est du monde, hein. On va voir si on a des missions supplémentaires après derrière. Problème, c'est que si on se met tous les gangs de Londres à dos, il y a un moment où on va avoir les flics aussi à dos, hein. Parce qu'autant, ils étaient contents tous les deux de pouvoir vivre chichement, on va dire. Il y a quand même le fait que derrière, il y en a quand même qui se posent la question de savoir si on a obtenu tout ça légalement, quoi. Ça pose un petit problème quand même, hein. Il en reste plus que deux des gangs de Londres. Ouais, mais la police, c'est le troisième, hein. L'État, c'est le quatrième gang, hein. On n'a pas la City, on sait pas ce qu'il y a à la City, hein. Et pour moi, le Piston Club, il a pas complètement disparu. On nous a pas indiqué qu'il a disparu, alors que d'autres, si. On est à l'arrière, là? Ah ouais, on est à l'arrière. Bon, est-ce qu'on a Justine? Ok. Là, apparemment, on sait pas s'il y a quelqu'un là-dedans, mais il n'y a pas l'air d'y avoir quelqu'un. Non, il n'y a personne. Très bien. Tout va bien se passer.
Ah bah là, ouais, tout s'est bien passé, hein. Elle a dormi vite. Mais pourquoi elle fait ça? Sérieusement? Bon, on lui fait les yeux, hein. Ouais, il y en a qu'on enlève sans anesthésie, c'est vrai. C'est pas toujours très clean, hein, mais. Non! Oh, c'est pas beau ça. Mais sérieusement? Y a d'autres trucs à piquer ou pas ici? Non, il n'y a rien à piquer. Jolie salle, hein, d'ailleurs, au demeurant. Oh, purée. Oh non, mais non, t'as pas le droit à ça, madame. Quand même. Ouais, j'aurais pu sortir, n'importe quoi. Une preuve à ramasser, elle est ramassée. Oh, j'avais pas vu ça. Bon, sortons. Ça se bat dans la rue! Ah! Oh merde! Ok, j'aurais pu en plus lui faire le passage, mais tout va bien. C'est pas grave. T'as plus vite fait de cliquer sur s'échapper que de passer le tour au final. Parce que de toute façon, après, la personne va t'embêter dans tous les cas. Oh, cran d'arrêt, on a récupéré un couteau.
Les gens, ils laissent traîner des couteaux quand même, hein. Ouais, pour 14 de respect, c'est pas énorme, hein. Ouais, mais c'est qu'une extorsion, donc c'est normal. C'est normal, c'est normal. Bon! Maintenant, on va commencer le moins drôle. Va falloir tabasser. Donc, il nous faut au moins 3 tabassages pour pouvoir. Pour pouvoir prétendre justement à récupérer les secteurs. Donc, on en a fait 2. Ok, on peut récupérer un Bren maintenant. On peut acheter des Bren, pardon. Et E1A1, donc ça c'est la mitrailleuse. Est-ce qu'il nous faudra... Bah là on va récupérer... Ah non, on aura que 10 si on tabasse là. Faudra peut-être tabasser plus alors. Hein. Ça va être compliqué. On va essayer, on va essayer. Oh! On peut avoir la mission facile, donc on va prendre. Voilà. Unité blessée très bas, unité assommée bas. On peut quand même se faire assommer une unité, donc. C'est passé, c'est passé. Personne n'a pris de coup apparemment. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. 87 quand même hein, en suspicion. Message des frères Crick. Ah non, t'avais raison, juste comme ça. Donc je lisais mal, c'est peut-être moi. C'est pas grave, ma dyslexie. C'est peut-être vous qui décidez de tout dans l'East End, mais vous serez crucifié si vous vous aventurez plus loin. L'ouest de Londres est à nous. C'est moi ou il menace? Les frères Crick, dirigés par des frères jumeaux identiques, les Cricks sont des célèbres seigneurs du monde souterrain. Issus du monde de la boxe de rue illégale, l'exemple des Cricks a conduit tous les membres de leur bande à se battre avec acharnement. Grâce à cela, tous leurs membres peuvent utiliser menacés, coups de chaise et coups de pied dans les couilles. Ah! Ah, c'était clairement une menace. On va faire un vol, hein, pour gagner plus de crainte. J'ai l'impression que quand on fait une résolution auto, on n'a pas de... Ah si. Si, si, il y a de la menace, c'est bon. Va faire quelques vols, histoire de monter un peu plus vite. Vu l'ordre de présentation, c'est peut-être les plus méchants. Bah, on va voir. On va voir, hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 personnes. Personnes dans un restaurant
Et il y a une porte sur l'arrière aussi. C'est surtout que chaque gang en fait a la possibilité de gagner des trucs. Par exemple, les Stevenson peuvent mettre des cibles sur tout le monde. Ils peuvent faire ce que font nos cerveaux. Donc ça peut être un peu gênant. Là, on a un rocker ici. Là, il y a un hippie. Mais le hippie a l'air d'être loin. Faut éliminer 5 ennemis. Oui. Il y a un civil ici, ok. Je pense qu'on va se mettre comme ça. Hein. Putain, il y a le boss en face. Génial. Il audio, il audio, il audio, il audio. Tac. Oh, bien vu, il audio. Dommage, pas eu le deuxième. Pour l'instant, ils n'arrivent pas à nous faire peur, donc c'est pas mal. Et ils prennent des pains. Ouh, là, on va se prendre une chaise aussi. Mais ça a échoué, apparemment, la chaise a échoué. Ah oui, d'accord, ils menacent tous. Ah oui, d'accord, bon, ça par contre, la fuite, c'était pas voulu. Une fuite pour commencer, ça c'est gênant. Bon, ah ouais, mais toi tu peux rien faire, purée, t'as peur. T'as des noix, t'en as plus. Est-ce qu'on peut considérer qu'un pied peut le... Dommage, ça marchera pas. Mais c'était bien, bien vu. C'était bien vu, c'était bien vu. Toi, contre le machin. Ok, un KO. Et les hippies, on lui fait les yeux. Piston Club, Yardi Post, 3 Uchizore. Ouais, après, on tombe à la fois sur les Stevenson et les Creek, donc. Là, par contre, on peut bloquer le boss, hein, ça c'est bien. Est-ce que toi, t'as. On va essayer d'éliminer d'abord. Ok, ça c'est bon. Donc là, on va mettre le grappin sur le boss. Voilà, bouge plus. Fais un sourire pour la photo. Et l'autre, il est là-bas.
problème, c'est que je peux pas bouger comme je veux. Ok. Est-ce qu'on fait le grid juste pour ça alors qu'on a un gars à aller chercher et on a une sortie ici. Donc lui est plus intéressant. On va laisser l'autre là-bas au fond, tant pis. Là, ça sert à rien que j'y aille, hein, clairement. Sérieusement? Il y avait du sérieusement dans l'air. Parce qu'après, il faut faire tout le tour de la batterie de cuisine, hein, donc. Ouais, pas besoin de grid, je suis d'accord. Bon, Barbarien aura eu peur. Il a réussi à se faire déstabiliser par un creek. Je sais où tu habites, oui, si tu veux, ouais. D'accord, bon, on prend peur. Ça, par contre, c'est chiant, parce que quand les flics vont arriver... Bon, bouffe-toi le mur. Le problème c'est que par où on va pouvoir s'échapper en deux tours parce que ça va être compliqué là. L'autre qui a peuré là, il va me. Je peux pas le contrôler. C'est ça le problème. Allez, les flics sont là. Oui, ça a passé, mais The Gabber. Non, c'est Marin Draco qui a pris peur. Marin Draco qui a pris peur. Bon, Marin Draco est pas encore passé niveau 8, mais bon. Fusil à canon scié récupéré au prix du canon scié, moi je prends. Hein. Allez, 15. On est à 25 normalement sur le secteur. C'est ça, hein.